What's up, mes petites peanuts? C'est en direct de Las Vegas, Québec, Kanawaki, break 152. Un petit random, 4 petites boxes, série 1, série 1 de l'année passée, Synergy, puis un petit SP Game News de Elias Peterson, 18-19. On vous souhaite good luck là-dessus. Désolé pour les jappements de chien. Je garde un chien, puis il fait du bruit. Fait qu'on s'en va faire les team random. Les boys and girls, bonne chance. On a l'air d'avoir du monde qui sont là. Fait que let's go avec le randoms. Ça, c'est l'ancien break. Je vais juste aller faire le 152 tout de suite. Ça sera pas bien long. My bad. J'espère que vous êtes en shape. Hey, break 500 morts, mais il est plein, tabarouette. Ça s'est rempli. On fait ça samedi. On est chaud pour ce break-là avec des giveaways quand même nice. Ça risque d'être solide. Mettez vos plus beaux sous turquoise. On va se faire une petite soirée nice. Puis sinon, le team select, il reste encore des spots. Fait que demain après-midi, peut-être. Le soir, non. Donc, on va checker ça. Mais on va commencer par lui, là. Une chose à la fois. Come on, une chose à la fois. Fait que ce sera pas bien long que le team random. Bon, je vais juste préparer le petit template à droite pour vos teams. OK, fait qu'on est parti avec le team randoms. Voici les noms. Jean Desrochers avait le spot numéro 1. Et à la fin, Hugo Audet avait le spot 31. Fait que je vais y aller moins rapidement pour que vous voyez les noms ici. Et on va brasser ça, boys and girls. 4 fois seulement aujourd'hui. 4 fois. Fait que bonne chance, 4 fois. 1, 2. Et question, si j'ai break direct avec PayPal, j'ai-tu mes points pareil? Je me rappelle pas, on va faire un compte, ce sera pas très long. 3. Et dernière fois, Mathieu Bélanger se ramasse au top et Sébastien Rondeau se ramasse à la fin. Tu payes avec n'importe quelle façon, les points s'accumulent. On a eu juste eu un petit truc, on a comme changé de plugin, fait que si on vous les a remis dedans, mais ça devrait être là. C'est juste que les points vont s'accumuler juste quand on va marquer comme votre commande comme shippé. Fait que c'est normal que tu les ailles pas en ce moment. Quand on va marquer comme shippé puis on va vous envoyer vos cards, là, les points s'accumulent. Fait que c'est cool, c'est des petits points, c'est mieux que rien. Hey, fait que les teams, boys and girls... De répondre en même temps de faire ça. Je reçois les cartes, c'est infiniment. Ça fait plaisir, les boys. On essaie de shipper ça comme des pros. Dans un monde où les top loaders sont rendus dans les rares. Fait que les teams, boys and girls, Docs, Mathieu Bélanger, les Coyotes, Seb Gauthier, Boston, Éric Demain, Buffalo, Éric Gagnon, Calgary, Nick Deblois, Sandro, you get the Hurricanes. N'oubliez pas, je pratique mon anglais, c'est bon. Jean Desroches, Chicago, Pat Bouchard, Colorado, Columbus, Éric Demain, Maxime Wilson, P. Dallas. Il est toujours en train de dire j'ai toujours Dallas. Puis il se ramasse avec Dallas. Éric Gagnon, Detroit. Éric Binette, Edmonton. Dan, you get Florida. Francis Carmel, LA. Jean-Christophe, premier break avec nous. Bonne chance, merci d'être là. Tous ceux qui sont nouveaux, il y en a une coupe dans celui-là. Fait que bienvenue à tout le monde. Jean-Christophe, t'as le Wild. Éric Binette, Montréal. Nashville, Max Dufresne. Michael Fleury, les Devils. New York Islanders, Martin Campeau. Max Dufresne, les Rangers. Good luck. Ça peut être bon. Joe Provo, Ottawa. Daniel Flyers. Justin Nadeau, Justin Lessard. J'ai mis ton nom, j'ai mis le nom complet pour être bien sûr de ne pas me tromper après. Joe Provo, les Sharks. Jean Desroches, Saint-Louis. Pat Bouchard, Tampa Bay. Pierre Achini. TOR. JP Bougie, les Canucks. Éric Demé, Vegas. Washington, Hugo et Sabondo, les Jets. Fait que, on va aller. Je vais vous les remettre aussi dans le break. Hey, le chien, désolé pour ça. Il va falloir que je le dompte un peu. Fait qu'on rentre dans le break. Je vais aller mettre les bons teams. Fait que, fiez-vous pas aux teams qui sont là. Je le répète à tous les fois pour être bien sûr. Et. Oups. Ça va pas bien long. OK. Fait que les teams sont là, les boys. Vos bons teams sont là. Fait que les Docs, Mathieu Bélanger. That's it. On est prêts à y aller? Vous êtes ready? Bonne chance, les puceaux. Ben ouais, c'est de l'amour, ça. C'est de l'amour.
Ouais, Calgary, il a pogné une couple de fois. Bon, on sait jamais. Des fois, Calgary, c'est pas les gros teams à pogner, mais. Des fois, les pires teams deviennent les meilleurs. Allez, fait qu'il y a 10. On va aller 10 Synergy série 1, puis on finit avec SP Game News. SP Game News, je sais pas qui est Vancouver, ça peut être bon. Ça va être diffusé sur Twitch. Ouais, je pourrais checker ça. Bon. J'essaie de faire différent, de ne pas faire ça sur mon cellulaire comme la majorité. J'essaie de faire quelque chose d'un peu mieux, mais je pourrais checker ça sur Twitch. Écoute, je vais me faire outshiner par le charisme légendaire d'Olivier Primo. Là. Ça, je voudrais pas ça quand même. Alright, fait qu'on est parti, les boys. Le petit glacé pour commencer. Fait que New Jersey, ça peut être bon. Jack Hughes, il est là. Ben, les deux frères Hughes sont là. Fait qu'on passe avec Quinn. Juste tasser ça. Je vais essayer de quoi aujourd'hui, les boys? Je vais pas mettre les cartes solides en arrière. Parce que juste voir si c'est peut-être ça le trouble avec le zoom. Hey, Quinn Hughes, rookie bronze pour VAN. C'est bien meilleur que lui. Ah, tabarouette. Il est tellement charismatique, ce gars. Alexandre Texier pour une blue pour les Jackets. J'aime bien Texier. Français de France. Dante Fabro, Nashville. Fait qu'on part, boys. Ah, il ouvre juste du Serie 1, puis surtout, man, genre, il sleeve à rien, il connaît pas les joueurs. Le sac de chips, deux influenceurs en guerre sur le marché des cartes. Ah, c'est ça, ça va passer sur le sac de chips, mon CP Nantel. On passe avec une shooting star de Devan Dubnyk, justement, pour Jean-Christophe Poudrier. On dirait que des fois, le Wild, c'est toi qui frappe en premier. Je sais pas si vous en... Hey, man, le chien est en train de me défoncer ma piole. Laissez-moi juste une seconde, je vais aller faire mon autorité. Mon autorité canine. Hey, le chien, t'as-tu fini, là? Il se rentre la tête dans la trappe à chat. C'est pas le chien le plus intelligent de la planète. Là. Je fais ma bonne action. Je garde un chien pour une collègue. C'est du stock, man. C'est du stock. Hornqvist. Darren Helm. Warren Fogley. Ouais, ben c'est ça, j'ose pas, genre, y aller trop sec, man. Je veux pas me faire juger par vous autres, genre, qu'il y a quelqu'un qui colle la SPCA ou whatever, mais honnêtement, j'ai le goût de le kicker en ce moment. Il est en train de tout défoncer ma piole. Je vais rester doux, tu sais, je veux quand même que vous m'associez à un gars vraiment doux, tu sais, un gars plein de douceur, tu sais, un genre de bon père de famille, genre, qui amène ses enfants, genre, au parc safari, genre, le mardi, là. C'est vraiment l'image que je veux laisser. Genre, le contraire d'Olivier Primo, là. Ok. Oh mon dieu. Ok, laisse-moi deux secondes, les boys, honnêtement. Hey, c'est quoi le problème, là? Non. Ok, bon. Désolé, honnêtement, c'est semi-crédible. C'est juste qu'il a défoncé ma trappe à chat. Tabarouette, man. OK, on y va. Je concentre sur l'essentiel ici. On start ça avec presque Jack Hughes, mais c'est Brendan Gignac. Gignac. Pour les Devs. Ouais, aujourd'hui, dure journée pour ce chien-là. Il a mangé son harnais. Il a déchiré mon manteau. Non, c'est vraiment... C'est pas une très bonne journée. Puis en plus, il y a un nom de sac à merde. Flocon. Qui appelle son chien Flocon, honnêtement? Aucun bon sens. Gino Chouinard. OK, on continue. Space. Canvas de qui d'autre que Shea Weber? OK, je vais aller le descendre. Ok, désolé les boys, c'est la première fois que je fais un break avec un chien. Tabarouette, non, c'est quoi ça? Ok, ça c'était des bases.
vient 6 flocons. Man, ça n'a pas de sens. Il est en train de manger à la litière du chat. Honnêtement, c'est un désastre. OK, focus. Continue avec un paquet de bases. Paquet de bases. Oh, man. Flocons. OK, Cirelli, Chikrin, Doomba, et on a... C'est un autre paquet de bases. Non, mais louche, ça. Non, mais louche. Des fois, les tins, quand tu te rends avec des packs de bases, de même. OK, il devrait avoir les Young Guns, par exemple. Il en reste au moins deux à sortir. Une à sortir au moins. C'est vrai, 19. Ça a descendu les ratios. On en a une ici. Joël L'Espérance pour Dallas. Ouais, Gignac L'Espérance, tranquille. Start assez tranquillo. Oh, Maxime Wilson va être content. Hé, hey, lâche la litière du chat, là. Suite est Chara Domi Crawford. Deux packs. Oh, on devrait être bon pour sortir de quoi, là. Quoi news pour Portrait Rookie quand même? Portrait Rookie pour Vancouver? Hop, ça ne veut pas s'en venir. Portrait Rookie pour Vancouver? Non, là, tu peux pas venir ici. Là. Suite, Stromy, Drew Doughty, Fisher, Clefbaum, et on a. Oh, wow, c'est vraiment pas une. C'est vraiment pas une bonne tine. Tu mentiras pas, là. On va pas faire comme... pas se faire d'accroire. C'était pas une bonne tine. OK, on s'en va Synergy, boys. Comment Martin Campo, là? Un peu de positivisme ici. Islanders, il peut avoir du stock, Islanders, là. Il peut avoir du stock. Kiefer Bellows en série 1, 18-19. T'avais quoi? 17-18. Va voir. Chaussure, Synergy, c'est toutes des hits, fait que... Mets des cartes là-dedans, au moins. On a sorti une sale Zetterberg sur... Ben, t'es tabarouette! Martin Campo, ton négativisme paye. Mike, la bossy, alias, la langue de miel, le gars qui s'exprime mieux que tous. Mike Bossy, Red, et Non-Bounty. Ensuite, GT Comfort, Rookie Blue pour Colorado. Et le gars qui a une santé déficiente, il va-tu finir par jouer, Nolan Patrick? Nolan Patrick, exceptional talent pour les Flyers. Non, là, arrête. Continue avec John Gillies, Red Rookie pour les Flames de Nick DeBlois, qui est pas couché. T'es en train de regarder ça dans ton lit, ben relax. Une John Gillies, Red Rookie, puis une John Gillies, Green Rookie. Fait que t'as un back-to-back, John Gillies, pas évident avec le zoom. Ensuite, on a Patrick Marleau, Impact Player pour TOR. Continue avec Artemi Panarin avec les Jackets. Columbus. Pas de bounty. Aiden Fleury, Rookie Green pour les Canes. Puis une petite Wayne Gretzky, quand même cool. Gretzky avec les Oilers de Edmonton. Edmonton. Synergy, ça sortait aujourd'hui, là, le Synergy 2021. On va recevoir une couple de boîtes de ça. Stamkos Red. Oh, t'as pas vrai. Stamkos Red pour Tampa Bay. Et on a une... Un autre numéroté, quand même. On est chaud. C'est pas Zetterberg, mais c'est une rookie sur 18 pour les Ducks. Quand même. Rookie, 1 sur 18. Pas évident, mais c'est Nick Curtis, mais bon. Quand même.
1 sur 18 pour les Ducks. Qui a les Ducks? C'est quand même cool, ça. Sur Zetterberg, c'était un petit peu plus cool. Oups, je me suis levé, je sais pas pourquoi. Anders Bjork, rookie, impact player pour Boston. B.O.S. Matt Bélanger, il a pogné dans les derniers spots. Continue avec Evgeny Gino. Gino Malkin, red. Avec le petit gratteur. Tabarouette. Qui c'est qui parlait de Pulloser d'or tantôt? Là? T'as ta chance, tu grattes un petit bounty. Zetterberg. Le Zetter. Blue pour Detroit. Et une rookie noteworthy newcomers pour Brock Besser et les Canucks de Vancouver. Ça fait cool, une petite autographe dans Synergy. Ils sont quand même belles, les autos. Là. Tyson Jost pour Colorado. Gratteur! That's it, les gamblers, ça va gratter. Ça va gratter, le chien est d'accord. Dreisaitl, avec un beau petit souffle court ici. Pour Oilers et Svechnikov. Le frère de l'autre, qui progresse moins bien que l'autre, par exemple. Encore espoir qu'il fasse de quoi avec Detroit, là. Evgeny. Ben, le code, en fait, c'est que si tu ramassais tous les codes, t'avais une récompense, mais là, ça, c'est 17-18, fait que c'est sûr que c'est déjà ramassé par ceux qui, je pense, c'est les 50 premiers, là, quelque chose comme ça. T'es mieux si tu veux la vendre de la garder intacte, mais je pense pas que ça change de quoi rendu là. C'est vraiment comme quand le produit est lancé que ça vaut quelque chose plus, là. Ceux qui essayent de faire, de te les ramasser. On avait Logan Brown, un rookie. Crosby Blue pour Pingouin. Puis, tu sais, il y a quand même des belles cartes, là. C'est une belle carte, ça. Marty Brodeur, Career Spanning pour les Devils. Sont pas évidentes à zoomer, là, avec l'éclairage, les Synergy. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, Eric, là, mais... Luke Kunin. Un rookie. Pas gratteur. Attends, pour aller avec ta Mike Bossy, Martin. Pat Lafontaine. Nice player, Pat Lafontaine. Puis on finit quand même avec une nice pour Canadien. C'était cool, des légendes comme ça. Johnny Beliveau. Fait qu'il y a une petite Curtis sur 18. Pas peur, mais bon. On est encore froid. OK, une boîte de série 1. Bon, on finit avec la SP Game Used. SP Game Use. L'hockey, ça s'en vient. 13 janvier, man. Je sais pas si vous avez hâte, là, mais ça va être cool, ça. Ça va être cool. C'est le temps des poules d'hockey aussi, là. OK, fait que bonne chance. Série 1, Upper Deck. Shesterkin. John Moore, Brock Besser, Alex Tuck, et on a une Worldwide de Henrik Lundqvist pour Rangers. Hey, enlève-toi de là, là. Enlève-toi de là. Ensuite, on a... Ce serait dû pour Lafrenière. Pas sorti tant que ça, ici, là. Je pourrais bien vous mentir, mais il y en a plein qui ont fait plein de fois les breaks. Mitch Marn, a.k.a. le petit sourire de prince. Là, j'ai pas de carte en arrière, puis le zoom, il est difficile des fois. Mitch Marner, petit sourire de prince. Bravo, Michel. Michel Marner, vrai petit prince. Real prince. Ensuite, on a quoi? On a une Young Guns de... Cool, Peyton Krebs. Il était quand même bien, le World Junior. C'est une bonne Young Guns dans la série 1. Peyton Krebs pour Vegas. Qui était pas pire. Quand même Krebs avec New Hook. On était quand même bon. Non. Flocon, il y a des chances qu'il mange des cartes, mais je le watch comme faux, là. Je le watch, c'est vraiment pas facile. Un berger australien, ça manque pas d'énergie.
Zedina, Turvo, et on a une Young Gun Canvas, nice. Nice. Young Gun Canvas pour Chicago de Nicolas Beaudin. Nicolas Beaudin. Young Gun Canvas pour Chi-Town. Chi-Town. T'as pas des problèmes de yeux ou quoi? Belle carte. C'est vraiment une belle carte. Chicago, Nick Beaudin. First rounder, défenseur natif de la région ici. De Ville-Mercier. Joué pour les Grenadiers de Châteauguay. Ensuite, Drummondville. Je l'ai déjà dit, je pense, mais ce gars-là a même pas fait de la midget 3 à 15 ans. Il n'a pas été repêché en première ronde dans le géant majeur. Et a été repêché first round NHL. Un gars quand même nice. Fait que des fois, la tête, ses épaules à long terme finit par payer. Donc, congrats, Nick Beaudin. On a une Young Guns pour les Wheelers de Ryan McLeod. Ryan McLeod pour les Oilers. Pour les Oilers de Edmonton, Blake Lizotte, a.k.a. le nom le plus sexy du hockey. That's it. Après ça, on a Mark Scheifele, Evander Kane. On a une petite jersey du futur capitaine des Wings, Dylan Larkins. Dylan Larkins. Pour les Wings de Detroit, a.k.a. l'équipe qui doit être triste de ne pas avoir eu le first overall avec la saison de misère qu'ils ont eue. Quand même, Lucas Raymond qui ont ramassé. Bon joueur, bon joueur. Fait que Detroit, c'est Eric Gagnon qui ramasse ça. Ensuite, on a Jeff Carter, Dylan Dubé, Sean Couturier. On a une Young Guns de Alex Belzile. Honnêtement, quand même fou. Une Young Guns à genre 20, 28, 29. Là, je suis à Belzile. Young Guns. Ouais, 29, 30 ans. En 91, pareil. T'as Young Gun en 91. Quand t'as un rêve et tu ne l'abandonnes pas. Young Gun d'un gars de 29 ans. Ouais. Ouais. Fait que je sais pas s'il reste des spots dans le Team Select. Sûrement, là. À moins d'un revirement incroyable, ça va pas se breaker à soi. Connor, Connor McDavid. Connor, Connor, Connor. Quoi dire de Connor? Ah non, c'est ça, c'est plus Young Gun. C'est un peu, ouais, c'est un peu particulier. Là. Quoique Panarin, quand il est arrivé, il avait sa Young Gun. T'es quand même vieux, puis c'est une belle Young Gun à avoir. Mais Alex Belzile, c'est plus un grinder, là. Claude Ledirou Giroux, a.k.a. Barberousse. Ouais, ben les top loaders, nous autres, on en a quand même pas mal, mais j'avoue qu'en ce moment, man, c'est la gale pour les top loaders, c'est l'enfer. Hey, des packs de 25 top loaders, voilà pas. Avant la pandémie, ça se vendait 2$. Là. Tu trouves ça en bas de 7$, bonne chance, là. C'est pour ça que c'est de faire des solides prix, mais tabarouette, le matériel finit par coûter un sale bras. Puis on n'est pas cheap sur les top loaders quand on vous les ship. Il y en a qui ship ça tout croche, là, mais non, on vous en place en masse. Là. Fait qu'au pire, vous enlevez les cartes un peu dull, puis vous en mettez des meilleures. David Krejci, Canvas. C'est même les portraits, tout ça. Quand pas bien chaud de vous les mettre dans les top loaders, vous enlevez ça. Vous mettez ça dans un petit cartable. Puis vous mettez vos belles cartes Young Guns de Rickard Raquel, a.k.a. le gars sort son mouthpiece. Très utile, Ricard. Bobrovsky, G.T. Comfort, et on a une debut date. Les Islanders, Martin Campeau, je vous t'ai dit que tu avais les Islanders, je m'en rappelle. Pas que j'ai un parti pris pour toi, mais tu m'as dit
tu sortiras pas un Islanders, ça m'est resté dans la tête. Fait que là, on a deux Young Guns, une Young Gun Canvas qui compte pas. Il en reste quatre Young Guns. Fait que si on est chanceux, on va sortir une Young Gun spéciale. Ce serait pas pire. Ce serait pas pire, là. Un Dazzler Blue aussi. Dazzler Blue de Tyler Seguin. Tyler Seguin pour Dallas. Maxim Wilson Poirier. Dazzler Blue. Stalock Yamamoto. Ben, les Young God, il y en a 50 par série. Fait que 100 par année. Puis oui, il y en a beaucoup qui n'ont pas de valeur. Sauf que des fois, man, genre Jordan Binnington, ça se vendait. J'ai souvent l'exemple que je sors, là. Ça se vendait comme 50 cents à un moment donné, là. Puis quand il a commencé à être chaud, sa carte, elle se vendait genre 250, là. Fait qu'on a un doublé pour le Canadien. Un joueur un peu meilleur, quand même, que Belzile. Jake Evans pour MTL. C'est un peu ça qui est cool, les Young Guns. C'est comme des actions, là. Si tu spots les bons joueurs et t'en ramasses une coupe, ben. Comme ceux qui ont investi dans les masques. Ça qui arrive. Puis la raison pourquoi les top loaders sont out of stock puis ultra dispendieux, c'est à cause des masques. Je me suis informé, là, je ne comprenais pas pourquoi. Là. Peut-être qu'il y en a qui le savent déjà. Mais c'est le plastique utilisé pour les top loaders, c'est le même que pour certains masques. Fait que ça a été vraiment en demande. Et puis c'est pour ça qu'il y a vraiment des problèmes de stock de top loaders. Même les magasins, là, ils n'en ont plus. Fait que, ouais, vous êtes chanceux si vous en avez, là. Vers la molle, Grivaldi, Pasternak, Pasta. Manque un mois en début de saison, Pasternak. Prenez ça en note dans vos pools. Manque le premier mois. Cherchez à faire la collection des édentés, si jamais qu'il y en a qui sortent. Ben, c'est en spot, tu me le dis, sur le tas, j'ai mis à côté. Comme la Radula, ben, était quand même assez légendaire. Quand même un cool projet, ça, Martin. Mon genre de projet, ça. Ovechkin Worldwide pour the Capitals. Les Capitals. Fiala, Letang, Matthew, Tkachuk, Nick Foligno, et on a une canvas de Merzlikin. Suivi de ma carte préférée, Matt Duchesne. Tembits. Passe pas trop de temps là-dessus. Matt Duchesne. Spurgeon, Coyle, Murphy, Predominant de Pasternak pour Boston. Checker un peu mieux. Les édentés. Pas mal juste Radulov qui est pas mal édenté sur ces photos, ça semble. OK, bonne chance. Il en reste 6. Il devrait y avoir 3 Young Guns là-dedans. Oh, Dazzler Pink. Ça, c'est nice. Ben, tu devrais recevoir dans ton shipping. Je te l'ai vraiment shippé. T'as un de 1, mon Frank Carmel. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je passe vite les Duchesne comme ça, là. Parce que Francis Carmel, il a sorti la 1 de 1 l'autre fois. Fait que, tu sais, je vois plus le fun des ouvrir, là. La One of One. Home Print. Écrit à la main. Non, non, c'est de la bombe qui est sorti. Chanceux, Francis. Sorti des sales cartes, mon Francis, hier aussi, dans le break avec Buffalo. Là. Fait que Dazzler Pink, quand même rare, les Dazzler Pink de Rasmus Dahlin pour Buffalo. Ça sort pas beaucoup, les Dazzler Pink. Nice. Fait que tu vas recevoir dans ton shipping, je me rappelle d'avoir shippé. Dazzler Pink pour Buffalo, Éric Gagnon. Kadri, Ehlers, Anisimov, Mark Stone. Predominant pour Vegas. Il a été émotif là-dessus, Brandon Carlo. Là. C'est une journée spéciale pour lui. Là.
Ok, il reste 5 packs, c'est rien. Coleman, Johansson, Dylan Strom, Portraits. Oh, ben, denté. T'as un peu, c'est denté, ça. C'est pas une base, par exemple, ça, l'affaire. Faut que je l'envoie à Détroit, là, mais check-moi ça. Pas mal. Magané de la dentition, là, le Tyler. Probablement que mon oncle Todd l'a brassé d'un party de famille et jeune. Mon oncle Todd, celui qui avait eu une bonne crampe au cerveau. OK, Adam Fox, Tyler Seck, Braden Point, Gunzel avec un 52 flex. Et on a une Young Guns pour Colorado, Pavel Francouz. Francouz, Young Guns pour Colorado, Pat Bouchard, Colorado, Young Guns. Nice jersey, Hartford, Whalers. Ça, je mettrais ça comme chandail, là. Un petit AO. Ouais, il manque une dent, c'est pas assez. Toi, ça te prend comme vraiment plus de dents que ça. Là. OK. Et on a une canvas de Gusev. Checkez ça comment il tape son stick Gusev. C'est beau. Cœur, hein, ça. J'adore. OK, il reste deux, puis il reste deux Young Guns, assurément. Là, vous êtes comme, comment je le sais? J'ai fait un calcul. Alors, c'est sûr qu'il y a des Young Guns. Si on est chanceux, des Young Guns un peu plus spéciales. Fait qu'on a Kiviranta pour Dallas Young Guns. Alors, j'ai-tu manqué des jeunes loups, par exemple? Ça, je le check jamais. Vous me le diriez. Non, c'est toi des Young Guns, jusqu'à là. Kiviranta Young Guns pour Dallas. Maxime Wilson, je ne pas super, mais Wilson. Ah, puis Dallas, Maxime Wilson, pas payé pour la 18-19. C'est Miro Scannon, tu dois être content. Will Tremblay, tu dois être content, Dallas, là, avec la 18-19, par exemple. Et la dernière, Young Guns. Pendant que le chien me liche les pieds. Sérieux, le flacon, c'est pas tant agréable. Pas tant. Et la dernière, Young Guns, boys, je vous la souhaite tous. Non, il est commencé, il n'y a pas d'autres Young Guns. Attends un peu, je vais calculer. C'est une variante française. Attendez un petit peu. Variante française, mais pourquoi qu'il n'y a pas 6 Young Guns? Ah, attendez un peu, je l'ai mis ici. Ah, ben oui, c'est mon erreur. Ah oui, il y a 6 Young Guns. C'est juste que j'avais mis la Belzile à droite. Je suis désolé, on a vraiment les 6 Young Guns. 7e avec la canvas de Nick Beaudin. Faux espoir, dénoncez-moi. Dénoncez-moi. J'ai quitté mon domicile à 20h05. SPGU. OK. Qui c'est qu'il y a? Vancouver, Buffalo, Dallas. C'est chaud. Washington, Samsonite, il est là. Non, il peut avoir du bon shit là-dedans. Là. SP Game Use. Il n'y a plus rien. Non, il y a comme un petit truc pour mettre une réglisse, on dirait. Hein? Et on va juste en profiter deux secondes pour checker dans le break de team s'il y a des chances qu'on fasse ça à soir. New, il reste encore une douzaine de teams, fait que même pas de mini. Alright, fait que ça va être le break pour à soir, l'autre peut-être après-midi demain. Là. Fait que SP Game News, ça c'est la grosse box. La grosse box, là, ça peut être chaud. OK, fait que bonne chance à tout le monde. Bonne chance. Ce serait cool, quelque chose de sexy. Let's go, fait que Miro Scannon, mon Will Tremblay. Fait qu'on commence ça avec le gars qui a un nom de coiffeur, disons, ça le dirait, Carson Soucy. C'est un bon nom de coiffeur, ça, Carson Soucy. Pour le Wild, 215 sur 2,94. Carson Soucy, man.
Un nom de coiffeuse ou de scout. Là. Un nom un peu louche, on va se le dire. Ensuite, on a pour les Blackhawks. On commence avec deux rookies assez louches, qu'on se le dise. Carl Dahlstrom, 261 sur 295. Puis là, il y a une explication plus sûre à 100% c'est quoi. Mais il y en a qui sont sur 2,94, 2,95, ça a rapport avec leur année de naissance. Fait que tu 94, ça lui donne 2,94, 95, 1995. Quelque chose comme ça, je sais plus trop. Mais il y a une explication. OK, on continue avec... Quand même, pour Dallas, man. Dallas, parlait de Dallas. Jamie Benn, Jersey Auto. Avec un nice jersey quand même pour les Stars. Will Tremblay, si t'es content, fais-moi un petit ouais. Fais-moi un émoticône drôle, là. Si t'es content. Voyons, Colin, j'ai repris le même. Jamie Benn. Vas-tu perdre du bac, Jamie Benn? C'est pour, là. Jamie Benn. Oh, j'espère que c'est pas le gros hit de la box. Ça me surprendrait. Là. Fait que Jamie Benn, quand même, quand même. Ensuite, on a... Oh, mon Dieu! Nice hit! Pour T.O.R. Austin Matthews. All-Star Patch sur 35. Checkez-moi cette grosse face. Pré-moustache de douchebag. Austin Matthews, nice set Toronto. Pierre-Jacques, ça faisait un bout que t'étais pas venu dans nos breaks. Pourquoi tu nous as quittés? T'es revenu, ça a payé, c'est bon pour toi. That's it, nice card, man. Austin Matthews, skill sur 35. Mais... Man, Matthews, il était beau, pas de moustache, honnêtement. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec sa mousse. T'as pas une bonne idée. Continue avec... Pour les Islandeurs de New York, Mark Campo, Josh Bailey, Skills Challenge Relic 2018. C'est quand même des belles cartes, ça. C'est numéroté, me semble. Ouais, c'est numéroté sur 125. Numéro... 86. Nikita Kucherov sur 125 pour Marty Mart. Et we finish off SP Game Use avec une NHL Star Skills Fabric. Il y a même du Star Skills Fabric de Brian Boyle. Comment est-ce qu'il était au All-Star Game, Brian Boyle? C'est un peu louche. Pour les Diables du New Jersey. Pour les Diables du New Jersey. All right, so boys and girls, it's pretty, that's all. Thanks for watching. Pas le break le plus explosif. Quelques belles cartes quand même. Fait que le menu pour la suite samedi, ceux qui ont des spots dans le gros break, 12 bucks avec une SP Game Use 16-17, ça va être chaud. Sinon, il y a le 153 qui reste, une douzaine de clubs. Checkez ça, peut-être demain après-midi. Eh bien, ça fait plaisir. Tabarnak, vous êtes vraiment poli pour eux, c'est vraiment apprécié. Moi, j'ai du fun à faire ça aussi, puis en plus, vous me dites bonne soirée, merci beaucoup. Ça me touche au cœur, j'ai le goût de verser une larme dans mon corps d'homme. Fait que lâchez pas les boys, puis n'hésitez pas sur les questions ou quoi que ce soit. Toujours content de vous répondre. Prenez soin de vous autres, prenez soin de vos familles. N'oubliez pas de manger des petits ananas, puis ça va bien aller. Salut!